Maman Pig lave George dans son bain. Les vêtements de George sont dans la machine à laver. Cela fait au moins un millier de fois que nous lavons le body de George. Il est tout propre maintenant, mais il y a des trous dedans. Quand on lave des vêtements un millier de fois, ils finissent par se trouer. C'est rigolo, on voit ton derrière, George. Il est peut-être temps d'acheter de nouveaux vêtements à George. Maman Pig emmène Peppa et George au magasin de vêtements. Bonjour, Maman Pig. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Que puis-je faire pour vous? Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour George. Vous avez de la chance, c'est un magasin de vêtements. Mais d'abord, il faut prendre tes mesures. Alors écarte les deux bras, s'il te plaît. George, je crois que vous allez le chatouiller. Je te promets de ne pas te chatouiller, George. C'est très bien, bravo. Voilà, tu es un petit garçon très costaud. Tu as vu, George? Mademoiselle Rabbit a tenu sa promesse. Est-ce qu'elle t'a chatouillé? Non. Mais moi, je vais te chatouiller. George adore les chatouilles. Bien. Allons trouver de nouveaux vêtements pour George. Alors, que dis-tu de ça? Tu auras bien chaud avec ce pull. Oh. Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman. George porte un gros pull à col roulé. Tu as l'air tout câlin, George. Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques. Ça, ce n'est pas blanc. Il y a toutes les couleurs sauf le blanc. Oh, George, tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça. Non. George ne veut pas ressembler à un clown. C'est un peu trop coloré. Que dites-vous de ça? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer ce que vous feriez en cas d'urgence? Mais oui, avec grand plaisir. Je vais avoir besoin d'un ours en pluche et d'un ballon. Oh! Un jour, Nounours jouait au football quand tout à coup, oups, il est tombé en marchant sur le ballon. Alors, il a fallu appeler une ambulance. Freddy, peux-tu imiter la sirène de l'ambulance, s'il te plaît? Nino! La première chose que je fais, c'est de voir si la personne est consciente. Dites-moi si vous êtes conscient. Oui, docteur. Savez-vous comment vous vous appelez? Oui, je m'appelle Monsieur Nounours. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé, Monsieur Nounours? Je suis tombé en marchant sur un ballon, docteur. C'est ce qui s'appelle une chute bête, n'est-ce pas? Je vais commencer par éloigner le ballon pour que personne d'autre ne marche dessus. Alors, dites-moi, Monsieur Nounours, où avez-vous mal exactement? J'ai mal au bras, docteur. Je vais vous mettre un bandage pour que votre bras guérisse plus vite. Et comme vous avez été très courageux, Monsieur Nounours, vous avez mérité une médaille. Et voilà, les enfants, vous avez vu à quoi servait une ambulance. Formidable! Les enfants, dites un grand merci au gentil docteur Brown Bear. Merci beaucoup, docteur Brown Bear. Il n'y a pas de quoi, et surtout n'oubliez pas de regarder toujours devant vous, sinon vous risqueriez de... Oh oh, le docteur est en train de rouler jusqu'en bas de la colline. Oh, yeah. En traversant un buisson rempli d'épines. Il s'est cogné contre un arbre. Oh, pauvre docteur, il faut vite appeler une ambulance. C'est pas la peine, elle est déjà là. Oh, c'est vrai, dépêchez-vous de monter à l'intérieur, les enfants. Youpi! Ne vous inquiétez pas, docteur Brown Bear, nous sommes là pour vous soigner. C'est très gentil, mais je ne pense pas avoir besoin de votre... Tu crois que c'est une bonne idée, Pedro? Ne t'en fais pas, Peppa, je suis super Pedro. Aïe! Oh là là, que s'est-il passé, les enfants? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro, je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brown Bear, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis ah. Ah. Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà, avec ça, tu guériras plus vite. Youpi!
Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brandbear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro? Non, malheureusement. C'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement, mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Coucou papa. Bonjour fiston, alors quel est ce problème? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres? Non, je te dis que je ne vois plus rien papa. Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah oui, merci beaucoup papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Youpi! Merci messieurs les docteurs, grâce à vous tout est rentré dans l'ordre. Regardez, Titine a besoin d'aide, elle aussi. C'est curieux, comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Allô? Mademoiselle Rabbit, des services de secours? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. À l'aide! À l'aide! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage? Moi! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la mort. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reine toutes les trois? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape. Au secours! À l'aide! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous. Ah non, attention! Oh, pardon Monsieur Patate, je suis désolée. Accrochez-vous, je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan? Je n'ai pas de plan. J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure. Au revoir. Bien. Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon? Vais-je devoir l'éclater? Ah, non! Ne faites pas éclater le ballon! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Ah non! Ne faites pas ça! Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup. Et voilà, à présent je peux reprendre ma place de reine de carnaval. Je crois que nous avons déjà trois reines du carnaval sur le trône. C'est le meilleur carnaval de tous les temps. Peppa adore le carnaval. Tout le monde adore le carnaval. Eh bien, si vous ne pouvez pas la contourner, alors essayez de passer au-dessus. Non, ce serait ridicule. Dans ce cas, pourquoi ne pas essayer de passer en dessous? Oh, par un tunnel. C'est très difficile à construire. Oh, quelqu'un frappe à la porte de derrière. Oh, bonjour, monsieur. C'est le frère de Monsieur Boule. Bonjour, madame. Navré pour tout ce bruit, mais nous construisons une nouvelle route et nous allons devoir démolir cette maison. La maison pour animaux malades du docteur Hamster est sur le chemin de la nouvelle route. Bonjour, tout le monde. Monsieur Rabbit est l'inspecteur du chantier de la nouvelle route. On dirait que le chantier n'avance pas, Monsieur Boule. Pourquoi vous êtes-vous arrêté de travailler? Cette maison est sur notre chemin. Je leur ai dit qu'ils devraient construire un tunnel. Un tunnel? Mais oui, c'est une brillante idée. Oui, mais ça va être vraiment difficile à construire. Êtes-vous en train de me dire que vos engins ne sont pas assez forts pour construire un tunnel? Comment? Mais pas du tout, nos engins sont forts, ce sont les plus forts du monde entier. On peut très bien construire un tunnel. Moi, je commence à creuser de ce côté. Et moi, je commence à creuser de l'autre côté. Et on se rejoindra au milieu. Hourra! Monsieur Boule et son frère creusent un tunnel dans la colline. Le tunnel a été creusé. Et la nouvelle route est terminée. Hourra! Bravo!
Bravo, je vous félicite, monsieur Bull. Vous avez fait du bon travail. Eh oui, maintenant les gens pressés pourront se rendre où ils le veulent, plus rapidement qu'avant. La nouvelle route est si belle et si droite que de plus en plus de voitures veulent l'emprunter. On ne peut pas dire qu'il roule aussi vite que ça. Il y a beaucoup plus de voitures sur cette route que nous l'avions prévu. Non, papa, il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit déjeuner chez Suzy Chip. Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de contes de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô? Désolée, mais je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui, oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup, beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig, nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton? Non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi. Youpi. Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Regardez devant vous. Pensez à garder vos yeux et vos oreilles grands ouverts. Et stop! C'est très bien, les enfants. Maintenant, imaginez que vous fassiez du vélo tout seul et que tout à coup, un piéton surgisse devant vous. Que feriez-vous? Je ferai sonner ma sonnette. Bonne réponse. La sonnette est le moyen qui vous permet de signaler votre présence. Pouvez-vous nous montrer que vous savez faire marcher votre sonnette? Moi, je n'ai pas de sonnette. J'ai un klaxon. Le klaxon est tout aussi efficace que la sonnette. Peux-tu, s'il te plaît, donner un tout petit coup de klaxon pour que nous puissions... Oh! Oh! Oui. Le bruit est suffisamment fort pour prévenir les piétons de ta présence. Passons maintenant à la dernière partie de la leçon. Où va l'agent de police Panda? Oh, l'agent de police Panda est allé garer la voiture en bas de la colline. Agent de police Squirrel, allô? Tu me reçois? À toi. Je te reçois 5 sur 5, à toi. La police possède des téléphones spéciaux pour pouvoir communiquer. Je suis en place, terminé. Alors, à mon coup de sifflet, je veux que vous descendiez tous la colline à vélo et que vous vous serviez de vos freins pour éviter de percuter l'agent de police Panda. D'accord. Ils viennent de partir, à toi. Je les aperçois, terminé. Excellent freinage, les enfants. Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle, à toi. Je suis prêt, terminé. Je n'ai pas besoin de faire cet exercice, je suis la maîtresse, vous comprenez? Dépêchez-vous. Les yeux et les oreilles ouverts. Les yeux et les oreilles ouverts, d'accord. Oui, c'est agréable. Appuyez sur la sonnette. Ah oui, la sonnette. La mer est en train de revenir. Tu vois, je te l'avais dit. L'eau soulève le voilier qui n'est plus coincé dans la vase. Le bateau se balance de haut en bas. Êtes-vous prêts, moussaillons? On est prêts, Capitaine Papy.
Alors, en route. J'adore faire de la voile. Oh, et vous revoilà, Papy Pig. Tout se passe bien, j'espère. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, n'hésitez pas. Non, merci, on arrivera à se débrouiller seul. Au revoir. Tu as remarqué, ils vont beaucoup plus vite que nous. Ça ne sert à rien de se précipiter quand on fait de la voile. Le bateau se balance de haut en bas. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Un petit coup en haut, un petit coup en bas. En haut et puis en bas. Oh et Papy Pig, il est temps de rentrer au port si vous ne voulez pas rater la marée. Parce que si vous rentrez trop tard, votre bateau sera embourbé. Oui, oui, c'est ça. Au revoir. Je me moque de leurs conseils. Jamais ils n'en sauront autant que moi à propos des marées. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte et redescend. Le bateau monte... Oh, le bateau ne se balance plus. Ah, il semblerait que la mer se soit retirée. Est-ce qu'on est encore coincé dans la vase, papy? Hélas, oui. Mais uniquement jusqu'à la prochaine marée. Quand elle sera haute, l'eau soulèvera à nouveau le voilier. Et quand est-ce qu'elle va revenir? Demain, dans la matinée. Oh. Ce qui signifie que nous allons devoir dormir sur le bateau. À la belle étoile! Youpi! Je vais téléphoner à Mamie Pig pour la rassurer. Allez-y, les enfants, mettez-vous au travail. Peppa se sert de bouts de tissu. Moi, je vais faire un masque de papillon. Danny Dog utilise des boutons et des pailles. Moi, j'ai envie de faire un masque de robot. Suzy Sheep utilise des plumes. Moi, je vais faire un masque de hibou. Ouh, ouh. Moi, je fais un masque de super-héros. Nay. Et moi, je fais un masque de carotte. Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé carotte. On adore les carottes. George a fait un masque de dinosaure. Grrr, dinosaure. Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ses planètes. C'est très original. Et j'ai ajouté Pluton, même si ce n'est considéré que comme un planétoïde. Formidable. Edmond éléphant est un petit futé. Alors, tout le monde a terminé? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes. Est-ce qu'on pourrait en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle? Des paillettes. Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser. Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes. Des paillettes. Non, une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau. Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique. Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît. Bon, bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup, beaucoup de précautions. Promis, Madame Gazelle. Parfait. Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précautions. C'est vrai, on croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Ça alors, quelle surprise! C'est Monsieur Wolf. Bonjour Monsieur Wolf, comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie, à part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papy et ma mamie. Ah bon, c'est vrai? Oui, oui. Et c'est loin d'ici? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Quel chemin devons-nous prendre? Je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas. Peut-être qu'on pourra nous renseigner? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me demande qui peut bien habiter ici, en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a trois chaises.
Et il y a aussi 3 bols de bouillie. Bonjour Peppa. Voici Belinda Bear ainsi que maman et Papa Bear. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur et Madame Bear, nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser, nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez, il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. C'est gentil, Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Waouh, c'était exactement comme dans l'histoire de Boucle d'or et des 3 ours. Oui, avec une petite maison et 3 chaises en paille. Sans oublier les 3 bols de bouillie. Ça y est, on est dans un vrai conte de fées. En quoi pouvons-nous vous être utiles? Dinosaure! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique. Ne t'en fais pas, mon petit. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. En fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de l'apporter ici au poste de police. Je comprends. Nous allons poser quelques questions à Georges, comme c'est l'usage. S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots? Prends tout ton temps. Décris-le-nous avec le plus de détails possible. Dilosaure. Dilosaure. Excellente description. Nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté. Suivez-moi. Waouh, c'est incroyable tous les objets que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre. Des parapluies. Des sacs à main. Des trésors de pirates. Waouh. Eh oui. Les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leur trésor. Les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire, ils apportent leur trésor au poste de police. Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor. Cette bétonnière a été trouvée dans un train. C'est sûrement un voyageur qui l'a oubliée. Oh. Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures. Comment est-elle arrivée là? Nous ne le saurons jamais. Excuse-moi, mon petit bonhomme. J'ai oublié ce que tu avais perdu. Dinosaure. Oh oui. Et voilà une boîte remplie de dinosaures en plastique. Ce ne serait pas un stégosaure par hasard? Non. Alors c'est peut-être ce tricératops? Non. Et ce brontosaure bleu? Non. Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons. Oh... Ne t'inquiète pas, Georges. Je suis sûre que tu finiras par le retrouver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Papy Pig passe tout son temps à bricoler dans sa cabane. J'imagine que ça le rend heureux. Regardez-moi ça. Oh. Je l'ai appelé Mac 1. C'est le premier avion miniature que j'ai fabriqué moi-même. Avion. Georges aime les avions. Est-ce qu'il peut voler, papy? Oui, bien sûr. Regardez. L'atterrissage n'est pas encore au point. C'est le meilleur avion miniature du monde entier, papy. Mais il serait encore mieux s'il était un peu plus grand. C'est pourquoi j'ai construit celui-ci, Mach 2. Waouh! Pilotage en douceur. Comme je vous le disais, l'atterrissage n'est pas tout à fait au point. Bravo, Papy Pig. C'est bien d'être aussi ingénieux et créatif. Mais maintenant que tu as construit un grand avion miniature, tu n'as pas besoin d'en construire un autre, n'est-ce pas? Bien sûr, Mamie Pig. Tu sais quoi? J'ai soudain envie de boire un grand verre de jus d'orange. Bonne idée, Papy Pig. Est-ce que quelqu'un d'autre a soif? Oui, moi aussi. Eh bien, je retourne à la maison et j'en rapporte pour tout le monde. D'accord, à tout à l'heure. Peppa, n'oublie pas de prendre soin de Dolly. Oui, mamie, c'est promis. À plus tard, mamie. Voilà, et maintenant je peux vous montrer sur quoi je suis en train de travailler. Je vous présente Mach 3. Waouh! Eh oui, il est plus grand et meilleur.
Il y a même de la place pour qu'un pilote puisse s'asseoir dedans. Alors on peut peut-être laisser Georges le piloter. Non, je pense que c'est un tout petit peu trop dangereux. Oh. Oui. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. Elle a raison. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de faire du surf. À vos marques, prêts, partez ! Oui ! Georges a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh, ça signifie qu'il faut rentrer. Allons, vous plaisantez. C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes. Youpi! Youpi! Oh, oh, oh! Wow! Youpi! Génial! On dirait des surfeurs professionnels. Wow! Ces vagues sont fantastiques. Wow! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît? À votre tour de surfer maintenant. Merci, Madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, Monsieur Pig, voulez-vous essayer? Pourquoi pas? Ça a l'air tellement amusant. Oh, il n'y a plus de vagues maintenant. Dommage, Monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh, je n'ai pas de chance. Mais notre petit George va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. George aime bien s'asseoir sur le ventre de Papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire? Attention, Papa, il y a une énorme vague qui arrive. Attention. Qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé! Oh, 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 oh. Wow! Vous voulez faire un tour? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Oh. Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaîtrait complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit. Ni corail, ni plante, ni poisson. Regardez! Des petits poissons! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas! Une grande étoile de mer toute bleue! Et une rouge, plus petite, juste à côté. Et une verte, avec des piquants. C'est quoi ça? C'est une tortue de mer. Oh! Bonjour, Madame Tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa? Regardez! Un petit pont! Pareil que celui de votre aquarium. Oh, 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 oh. Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium, sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu, Georges? On dirait un coffre rempli de pièces d'or. Wow! Georges a découvert un coffre au trésor. T'as vu, Papa? Tout est exactement pareil que l'aquarium. C'est vrai. Ce coffre doit valoir une véritable fortune. Je pense que je devrais réussir à l'attraper. Bah, c'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Oh! Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour se dandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager.
Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh ! Ce sont de super bons nageurs. C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à... bondir. Oh, des papillons. Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui. Je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh, oh, un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants. Merci. Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger au zoo. Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger au zoo. C'est ici que nous allons pique-niquer. Juste à côté de cet arbre, exactement. Il faut dire que c'est le seul de la région. Waouh, quelle chaleur! Auriez-vous un peu d'eau? Nous avons tous besoin de nous rafraîchir. L'eau est une chose très rare dans l'Outback, alors il faut éviter de... Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! La gaspiller. Qu'est-ce que tu fais? Il fallait la boire, cette bouteille d'eau, et pas te la verser sur la tête. Oh... Ce n'est pas grave. Maintenant, nous allons préparer un pique-nique typiquement australien. J'en ai l'eau à la bouche. Faut-il ramasser du bois pour allumer le feu? On n'a pas besoin de bois quand on a du gaz. Monsieur Kangaroo a un barbecue à gaz. Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck. Ah, ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert. Oh. Cet animal s'appelle un ornithorynque. Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique. Le repas est prêt. Épis de maïs grillés pour tout le monde. Super! Peppa aime bien les épis de maïs grillés. Tout le monde aime bien les épis de maïs grillés. Et si on jouait maintenant? Très bonne idée. J'ai emporté une batte de cricket. Oh! Vous jouez au cricket en Australie? Si nous jouons au cricket, nous sommes nés pour jouer au cricket. Cricket! Comment on y joue, Kylie? Il faut frapper la balle avec la batte. Ah. Si je l'attrape, tu es éliminée. Prêt, papa? Tu es éliminée. À ton tour, Peppa. Joli coup, ma chérie. Zut alors, la balle a atterri dans l'arbre. C'est le seul arbre de la région et il a fallu que notre balle reste coincée dedans. Si je te soulève, Peppa, tu arriveras à voir où elle se trouve. Vous savez quoi? C'est un petit ours en peluche qui l'a prise. Non, Peppa, ce n'est pas un ours en peluche, c'est un koala. Merci, mon grand. Oh là là, c'est l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu. Regardez, c'est encore le Père Noël. Bonjour, et toi, qui es-tu? Peppa, vous ne pouvez pas m'avoir oublié. Moi, oublié? Non, non, non. Tant mieux, alors, vous allez venir au spectacle, pas vrai? Au spectacle? À notre spectacle de Noël. Mais bien sûr, je vais faire tout mon possible pour venir. Ah, super. Le spectacle de Noël va bientôt commencer. Et tous les parents sont venus y assister. On va commencer. Vous êtes prêts, les enfants? On ne peut pas commencer maintenant. Le Père Noël n'est pas encore arrivé. Il a dit qu'il risquait d'être un peu trop occupé pour venir voir le spectacle ce soir. Il a dit ça? Mais regarde, tes parents sont dans la salle. Que le spectacle commence. Tombe, tombe, tombe la neige. Tombe le jour et tombe le soir. Et tout est blanc dehors.
vérifier que vous êtes en bonne santé. Fais A. A. Tout va bien. Tu peux y aller. C'est formidable. Oh, oh, oh. C'est le Père Noël. Vous avez pu venir voir notre spectacle finalement. Et je l'ai trouvé excellent. C'est vrai que vous faites le tour du monde pendant la nuit de Noël? Absolument. Et comment vous faites? Grâce à mon traîneau magique qui est tiré par Meren. Waouh! Est-ce qu'on peut voir votre traîneau? J'imagine que le Père Noël est trop occupé ce soir pour pouvoir vous le montrer. Vous avez raison, je suis vraiment très occupé. Mais je peux prendre le temps de vous montrer mon traîneau. Il est garé juste devant l'école. Waouh! Mais vous êtes complètement fous! Bonjour, 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 bonjour. La famille Pig est arrivée à Paris. Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir. Bonjour. Bonjour, Delphine. Peppa et Delphine sont contentes de se revoir. Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter? J'aimerais voir tous les monuments. C'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig. Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris, le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Bravo, Monsieur Pig. Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité? Je voudrais commencer par la Tour Eiffel. Ah, d'accord. Voici la Tour Eiffel. Waouh, il y a beaucoup de monde. Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques? Regarde, maman, c'est Mademoiselle Rabbit. Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit. Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit, je m'appelle Mademoiselle Lapin. Oh, je comprends. Souvenir! Achetez une jolie Tour Eiffel miniature, messieurs, dames. La vraie Tour Eiffel est carrément gigantesque. Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut? Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut? Il faut dire que Papa Pig a le vertige. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Nous allons prendre l'ascenseur. C'est parti! Je suis bien content qu'on soit arrivé. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage. Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet. Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux. D'accord. Nous y sommes. Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut. Regardez cette vue à couper le souffle. Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle? 1, 90, 190. Tout ça, ce ne sont que des suppositions. C'est quoi la réponse exacte? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir. Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle? Moi. Je n'arrive pas à la soulever. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant. Alors, nous allons essayer avec deux enfants. Elle est vraiment super lourde. Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par deux enfants. Alors, essayons avec trois enfants. Super! Il faut trois enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle. Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué. C'était rigolo. Passons à une autre expérimentation. Ouais! Empilez les cubes pour former une tour. C'est très bien, bien que la tour ne semble pas très stable. Oh! Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable? Il suffit de mettre les gros cubes en bas et les petits cubes en haut de la tour. Bien joué, Edmond. Edmond éléphant est intelligent pour son âge. On peut faire d'autres expérimentations? Naturellement. Qui peut me dire quel est son jeu préféré? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue. Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue? Il nous faut de la terre et de l'eau. Prenez un peu de terre et un peu d'eau. Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue. Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît. Cette flaque de boue est trop sèche, papa. Alors, nous allons ajouter un peu d'eau. Comment la trouves-tu maintenant? Cette fois, elle est exactement comme il faut. Humide et boueuse. Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton.
Voici le carré de carottes de Monsieur Rabbit. Je vous rappelle, les enfants, que le lapin de Pâques est très timide et qu'il ne viendra pas si nous restons là. Attendons-le à l'intérieur. La maison de Rebecca Rabbit se trouve sous terre. Rebecca, tu l'as déjà vu, toi, le lapin de Pâques? Non. Mais le lapin de Pâques, c'est bien un lapin? Oui. Et toi, tu es un lapin? Oui. Alors à quoi peut-il ressembler? Je pense qu'il est comme moi, mais en plus grand. Moi, je pense qu'il a une fusée dans le dos pour pouvoir voler. Ouais, en fait, c'est un super lapin. Moi, je pense que le lapin de Pâques a une baguette magique. Moi, je pense que le lapin de Pâques, il doit être super grand pour pouvoir transporter tous les œufs. Non, le lapin de Pâques est invisible. Hein? Invisible, ça veut dire qu'on ne peut pas le voir. N'importe quoi. Oh, il y a quelqu'un qui cache un œuf. C'est sûrement le lapin de Pâques. Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques. Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre. Oui, oui. Oh, pour l'instant, je ne vois rien du tout. En fait, je me suis trompée. On n'arrivera jamais à le voir. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher. Désolée, maman. Me revoilà. Oh, c'est toi, Papa Rabbit. Alors, comment vont tes carottes? Quelles carottes? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin. Elles vont très bien. Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques? Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons. Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux œufs? Oh oui, sans aucun doute. Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa? C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi! À vos marques, prêts, partez! Oui! Attendez-moi! À tout à l'heure, Maman Pig! À tout à l'heure! Peppa et George vont à l'école à trottinette. Pas si vite! Dépêche-toi, papa! Papa n'arrive pas à vous suivre! Attendez-moi! Peppa et George sont arrivés à l'école. Au revoir, papa! Au revoir! Au revoir! Oh, je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense, j'en ai un sous la main. Oui! Comme c'est agréable! Papa Pig aime bien faire de la trottinette. Vroom, vroom, oui! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant? Eh oui, c'est vraiment très amusant. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais. Peppa et George sont en cours de peinture avec Madame Gazelle. Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venu à l'école à trottinette. Tu viens de me donner une idée, Peppa. Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venu à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai pris mon vélo pour venir. Formidable! Moi, je suis venue à pied. Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon. Mon grand-père m'a accompagnée à l'école en camion. Brrr, brrr, brrr. C'est original. Je te présente ta citrouille, Peppa. Oh là là! Merci, papy, c'est la plus grande citrouille du monde! C'est possible, en effet. Mais comment allons-nous faire pour transporter une citrouille de cette taille jusqu'à l'école? Chaque chose en son temps, Mamie Pig. Avant de la transporter, nous devons la transformer en lanterne. Ouh. La première étape consiste à retirer tout l'intérieur. Ensuite, il faut lui faire le visage. Et enfin, il faut placer une lumière dedans pour l'éclairer. Magnifique. Et maintenant, on doit la pousser jusqu'à la voiture. La citrouille est très, très, très lourde. Ah, voilà,
La première étape est terminée. Nous avons réussi à la sortir de la serre. Deuxième étape, soulever la citrouille pour la placer dans le coffre. Il est impossible de soulever la citrouille. Je t'avais dit qu'elle était trop grosse. Elle n'est pas trop grosse. Nous avons simplement besoin d'aide. Allô ? Hélico Assistance Express, que puis-je pour vous ? Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours. C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous. J'arrive tout de suite. Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école. Soyez les bienvenus au grand concours de citrouille. Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Peppa n'est pas là. Oh, où peut-elle bien être ? L'hélicoptère de sauvetage de Mademoiselle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig. Alors, qui a besoin d'être secouru ? Ma citrouille d'Halloween ! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence ! Entendu ! Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas? Oh, non, j'ai complètement oublié. 44 20 232 000. Record battu. Bravo, Georges. Tu es vraiment super fort. Mon travail? Où est mon travail? Ah, le voilà. Vite, enregistré, fermé, envoyé. Est-ce que tout va bien avec ton travail, maman? Oui, oui, Peppa. Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants. Oh, un livre pour enfants? Et pas qu'un seul, Peppa, mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies. Waouh! Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre? Bien sûr. Il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe. Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre. Merci, Maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre. Si vous saviez comme je suis contente, ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un. Les enfants, Maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre. Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon. Merci beaucoup. Ça raconte l'histoire d'un oignon. Oh ! Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, oh. Tout le reste du livre n'est qu'une longue suite de chiffres. Je ne comprends rien à votre histoire. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit. À quoi correspondent ces 4, 7, 6, 8, 5, 9... C'est le meilleur score que Georges a fait au jeu Bouboule la poule. Waouh, c'est un score très élevé. Mais où est mon histoire de Rigolognon? Elle a disparu. Je suis désolée, les enfants, mais je ne vais pas pouvoir vous lire mon histoire aujourd'hui. Oh.